J'ai vraiment passé un temps fou à ne pas vouloir savoir. Et c'est une petite phrase de ma sœur qui m'a piqué et qui m'a fait écrire, qui m'a dit « Mais c'est drôle quand même, parce que dans les interviews, tu parles de tout, tu peux dire des choses très intimes, mais tu ne dis jamais que tu es juive. » Et je me suis dit « C'est vrai. » Et je pense que pour un écrivain, ce qu'on ne dit jamais mérite d'être écrit, souvent.